Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Last of Us 2. Évidemment, installez-vous confortablement comme d'habitude, et nous sommes dans le cœur de l'action avec un chien qui est totalement assis, qu'on n'a rien à péter des mecs d'en face, alors que moi et Manny, nous sommes allongés. Profitez de la 4K 60 FPS, évidemment. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on est parti, il y a un Scar là-haut, et sûrement deux ou trois à droite. Donc on va voir un petit peu si on peut le faire en full discrétion. Ça serait plutôt sympa, on va pas se mentir. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous passez une bonne aventure. On est parti pour un bon moment encore ensemble. Avec tout ce qu'on vient d'apprendre, et je vais vous avouer que bah, ça me fait plutôt plaisir, ça veut dire que de beaux jours sont à venir. Malheureusement, on va jouer à Abby, c'est comme ça. Je vois tous vos commentaires, hein, tous vos avis un petit peu. Je suis d'accord avec certains, mais je suis désolé, c'est comme ça, c'est deux vies différentes. Et il y a d'ailleurs un commentaire qui a été très constructif et très intéressant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de guerre entre le bien et le mal. C'est chacun sa vie pour le coup. Et c'est très bien comme ça. Ouh. Bon, il traîne par deux, hein, par contre. Il traîne par deux. Bon, ça devient un petit peu embêtant, toutes ces conneries. Comment ça devient un petit peu tout embêtant? Donc deux à gauche et encore deux à droite, c'est chiant. C'est chiant. En plus, on va pas se mytho, mais il te repère quand même de relativement loin. Donc on essaye de faire attention. Je vais essayer de l'avoir d'ici. Ça a sifflé les amis. Je vois rien du tout. Ouais, il est. Bon. Ah, il n'y a plus de silencieux. Dépêche-toi, dépêche-toi. Appelle ton ami. Y'a des wolves ici! Ouf! Ça décolle! Putain! Manny, frérot! T'as branlé quoi là? Putain, je croyais que comme ça, je me suis dit, ça y est, Manny, il va faire le boulot, il va s'occuper du deuxième. Non! Non, 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 il est resté accroupi devant, il a fait, hé les gars, ça, c'est pas mes problèmes, de toute façon, je suis Manny, je suis une véritable salope. C'est pour ça que, déjà, je l'ai jamais aimé, là, je l'aime encore moins. Puis, il a craché sur Joël. Rien que pour ça, il doit être puni. Alors! En plus, il sifflote et tout. Ça, c'est trop stylé. Leur langage secret. C'est. J'ai vraiment visé comme une salope. C'est ultra stylé leur langage secret. Je kiffe de ouf. Sachant que. Oh, une série The Last of Us 2 va se faire. Ça peut être littéralement. Allez, allez! Incroyable. Oh! Bon, il a pris sa balle en plein vol. Sachant que la série The Last of Us a été. Comment dire? Approuvée hein, par Sony. Imaginez ce qu'on peut avoir. Ça peut être un véritable. Ça peut être un véritable régal. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qui me. Il est où celui-ci encore? Il est où celui-ci? Ok. Fusil. J'ai envie de faire le coup de la brique ancestrale.
ça c'est la survie ça. J'ai l'impression, c'est trop stylé, tu sais, j'ai l'impression d'être la squad qui chasse les prédateurs et tout, tu vois. Regardez, regardez ce qui va se passer. Je te trouverai. Oh le zéro pitié. Oh c'est tellement bon le zéro pitié. Une brique dans les chicots. C'est fini. J'arrive comme Nikos Aliagas. Aucun rapport, je sais même pas qu'est-ce qu'il manque dans l'histoire. Et c'est parti pour une nouvelle session de The Voice. Je lui découplé. Oh là là, ça c'était tellement bon ça. C'était tellement bon. Allez, regarde-moi. Ça c'est un régal pour les papilles gustatives. Non hein. Il avait aucune issue. Ce n'était point permis. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Là, il y a de quoi se régaler. Il n'y a pas une petite pièce qui traîne par ici, monsieur. Une petite pièce, messieurs, dames. Oh là là, quel plaisir, quel plaisir. Ce jeu. Non, c'était trop stylé. J'ai envie d'aller récupérer la hache derrière, mais on retrouvera d'autres trucs un petit ici, peu ma plus belle. Tard. Ah, madre. Ils sont tout prêts. Attendez, je vais essayer un truc. Juste simple curiosité et conscience professionnelle. On va quand même aller au bout. Sur un malentendu, peut-être une petite pièce. Quelque chose, non? Ça peut être cool. Dommage. Dommage, j'ai essayé. Ah, bah ouais. C'est dommage. Alors, par contre, Abby, elle a un style vraiment différent. Elle a un style clairement plus adulte dans sa manière d'aborder les choses. Ellie, clairement, n'a aucune pitié. On va pas se mentir. Mais Abby, elle a un style très sauvage. Bah, elle fait à même les biceps. Y'a de quoi, hein, les gars, elle est galbée comme Schwarzy, donc ça va, tu vois. Mais elle a un style différent, ce qui change. Par ici. Quand même le gameplay, en tout cas d'apparence, et ça rend le truc aussi agréable. C'est pas vrai, vous êtes des forceurs, les gars. Il était temps, putain. Prêt? Je me voyais déjà recommencer 35 fois la scène. Une chance qu'on soit passé par là. On a entendu la fusillade. Bon. Merci à vous, ça fait plaisir. Beaucoup plus de monde, hein, quand même. Hein. Beaucoup plus de monde aussi. Avec Abby, pour le coup. Ellie, c'était vraiment... Là, en fait, on est de l'autre côté et... On se rend compte qu'il y a quand même des guerres hein, qui se sont faites pour Seattle. Entre les SCAR, entre... le reste, et là pour le coup, bah on a l'envers du décor, et comme je vous disais, c'est pas une guerre de bon ou de mauvais. Oh, chaque camp a fait des choses impardonnables, chaque camp a fait des bonnes choses, chaque camp essaye de survivre pour eux, finalement, c'est l'espèce humaine, elle est comme ça, et c'est ce qui fait que ça rend le truc très intéressant de jouer l'autre côté. Est-ce que je pardonne à Abby? Toujours pas, d'accord, calmez-vous. Mais ça rend le truc vraiment intéressant. Et je sais, ils sont très forts, Naughty Dog. Je sais qu'ils vont quand même nous faire aimer le côté adverse. Mais on pardonne pas! On restera forts, tous ensemble. Et en tout cas, quel plaisir de jouer ces deux camps. T'inquiète, on arrive bientôt. Ouvrez le portail! Laissez-les passer. Mel. Quoi?
Toto. Serre aussi fort que possible, ok? Fais chier. Je l'ai même pas senti. Hé hey, on en a deux. Il a une blessure par balle, à la main. Hé. Hey. Tu t'en es bien sorti. On dirait un compliment. Cours te faire soigner. Pas bouger, Alice. Allez, c'est par là. Assise. Il y avait beaucoup de sang, pas vrai? Elle devrait pas sortir. Ça va aller. Ça va aller. Hé, hey, c'est qui cette beauté? Allez, viens, Fifi. Elle s'appelle Alice. Viens, Alice. C'est bien. Hé, hey, merci. Moi, ces nouvelles recrues, je leur fais pas confiance. Merci encore, les gars. Hé, hey, Manny, attends. Vous êtes proche du commandement, vous savez ce qui se passe. Comment ça? Ça fait 3 jours qu'on attend ici sans rien faire et on est au courant de rien. Alors, vous devriez vous remercier d'avoir mis de l'ambiance. Allez, vous nous devez bien ça, vous pouvez vous renseigner. Ok, laisse-nous d'abord signaler notre tour. On vous tiendra au jus. Ok, merci mon pote. A plus, Abby. A plus. C'est quoi ce bordel? Ah, oh, j'en ai aucune idée. Finalement, il y a quelque chose de plutôt intéressant, on se rend compte. Donc là, c'est après avoir tué Joël. Joël est déjà mort. On se rend compte que finalement, Joël, c'était une simple mission en fait, hein, une mission de revanche personnelle, tout comme Ellie est partie faire une simple mission de revanche personnelle pour tuer et venger Joël évidemment. Donc là, on n'en parle déjà plus de Joël, on n'en parle même pas alors qu'ils ont réussi leur mission et qu'ils ont fait leur revanche. C'est plutôt réaliste, là la en vie rapport. Continue. Salut entre vous deux. Guillemets. Y a quelque chose pour nous? Et c'est pour ça que ce qui va être intéressant, c'est que je suis sûr que ça cache encore des choses dans la profondeur. Vous pouvez juste aller voir Isaac. Tous les deux. Il y a un background, ok ouais. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite et voir à quel point ils vont peaufiner et ils vont sculpter les personnages et le background de tous ces camps en fait différents. Hein. Du camp de Seattle ainsi que de Jackson. En toute la partie avec Ellie. Alors, donc on est dans un nouveau point de Seattle où ce camp appartient au Wesh la famille. Donc ouais. On découvre un peu leur à nouvelle stratégie, leur nouveau plan. C'est arrivé où? Quelque part ici, près des entrepôts. Oh merde. Ils arrivent à passer sans qu'on les voie. Vous auriez pas vu Isaac? Il était là il y a quelques minutes. Ok, merci. On va le chercher. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas des... Attends. Attendez, on sait jamais si on peut rater une petite conversation. Voilà. Oh, tiens, encore Watt. Salut, Whitney. Salut, Abby. Quoi de neuf? Tu sais ce qui se passe ici? J'aimerais bien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils envoient un groupe à l'hôpital. Pour du matos. Ah, super. Tu l'as dit. Et tu vas y aller, ma grande. Il est cool, ce jeu? Méga dur. Et je vais te trancher la carotide, ma grande. La musique est cool, en plus. T'arrêtes pas pour moi, surtout. Allez, bye. Donc, toujours la PS Vita, évidemment, et toujours au Miami. Hey, Abby. Calme-toi, hein. T'as beau être galbé comme Schwarzy, ça peut partir en octogone, toi et moi. Je me suis bien amoché, hein, docteur? J'ai vu pire. Ne bouge pas. Comment tu arrives? Un scar m'a planté un couteau. Oh.
Elle a cru qu'il était mort. Salut, toi. Tu vas mieux ? Fait du bon boulot. Les antidouleurs font effet, alors. Ça va ? Tiens un coup. La main, ça va. J'ai gardé la plupart de mes doigts. Mais c'est douloureux. T'en as besoin que de trois. Tu crois pas ? Je peux avoir quelque chose. Je sais. Annie s'est chargée. Donc là, c'est juste avant la mission. Il va briser la nuque. Tiens, vous l'aurez compris. Quand on parle du loup. Ah, salut. Comment tu te sens, Mel ? Encore quelques points de suture, et je serai comme neuve. Vous pourriez m'aider à convaincre cette fille de se détendre ? Hé, Mel. Détends-toi. Pigé. Dites, j'ai besoin de bras, alors vous pourriez me donner un coup de main ? Bien sûr. Tu bouges pas, hein ? Je reste là, t'inquiète. Je me détends. Nora, est-ce que t'as pu te reposer un peu ? Oh, je pars bientôt pour l'hôpital du quartier ouest. Les ordres, c'est de tout récupérer. Comment va Mel ? Réellement ? Les signes vitaux du bébé sont un peu élevés, mais je suis pas inquiète. Il faudrait prévenir Owen. Il voudrait être auprès d'elle. Ouais. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire ? Suivez-moi. Oh, putain. Ce sont des gens de chez nous ? Ouais. Et il en arrive sans arrêt. Ne dites rien à Mel, ok ? Nora. Enfin, pour l'instant. Venez. Qui est ? C'est qui ? Il y a qui là-dedans ? Putain de merde. C'est Dani. Où est Owen ? J'en sais rien. Il y a quelques jours, on a repéré des scars près de la marina. Dani et Owen sont allés jeter un œil. Et ce matin, les gardes ont retrouvé Dani effondré près de la clôture. Il s'était traîné jusqu'ici, avec une balle dans le ventre. Pinches car, hijos de puta. Isaac est resté avec lui jusqu'à la fin, mais... autant que je sache, aucune unité n'est censée y retourner. Et sinon, pour Owen ? T'as demandé à Isaac où il était ? Oui, j'ai essayé. Mais il m'a lancé un regard de tueur, et il m'a dit d'en parler à personne. Du coup, c'est valable pour vous aussi. Owen sait se défendre. Je suis sûr qu'il va bien. Oui, Isaac. Je serai discrète. Aux dernières nouvelles, il était dans l'immeuble. Bon, faut que j'aille m'occuper de Mel, alors... tenez-moi au courant, ok ? D'accord. Pourquoi Isaac a pas envoyé des squads à la recherche de Owen ? Peut-être qu'il l'a fait sans le dire à Nora. J'espère que c'est ça. Ok, je croyais qu'il allait me dire un truc, mais mes couilles. Ici, évidemment, c'est bouché. Personne va se déplacer pour mes beaux yeux. Et ici, on peut pas passer. Bah alors, les gars ! Ah. On cherche Isaac. Il est à l'intérieur. Allez-y. On va enfin voir Isaac. Merci. Pour le coup, merde, on en a tellement entendu parler à travers les papiers laissés. Tu veux faire une partie ? Le chef de la WLF. Pas le temps. Viens voir Isaac. Tant pis pour toi, Frimeur. J'y peux rien si je fais du super boulot. Mm-hmm. Allez, à plus. Bon, qui est ce Isaac ? Là, je me pose plein de questions. Hop ! Un petit papier qu'on va lire de ce pas. Alors, Isaac. Ça aura pris 3 jours, mais j'ai fini par faire parler le numéro 74. Si ce qu'il dit est vrai, alors la côte sud est notre meilleure chance. J'ai annoté une carte que j'ai laissée pour la suite. On devrait envoyer des éclaireurs en repérage dès que possible. J'ai l'impression qu'il ne nous a pas tout dit.
Laisse-moi encore quelques jours avec lui, sergent Foster. Très bien. Très très bien. Cet endroit me manque pas. Putain. Ce que je déteste, cette odeur. Ouais, ça a l'air d'être un après psychopathe. Ce matin, j'ai bien envie de leur régler leur compte. Tu m'étonnes. Ok, ça a l'air d'être des scars. Très bien. Et le Isaac, il a l'air protégé comme un gourou, là. Salut, Abby. On doit monter. Isaac est là-dedans. Ah. Il en a pour longtemps. Il voulait justement vous voir. Venez. Monsieur, Abby et Manny sont là. Le laisse pas s'endormir. Compris. Venez avec moi. On m'a dit que vous aviez eu des problèmes tous les deux. Rien de grave de notre côté. On a eu que quelques blessures. Contrairement à nos ennemis. J'aimerais entendre ça plus souvent. J'ai jamais vu autant de monde à la base. Et on est loin du compte. J'attends encore d'autres unités. Qu'est-ce qui se passe, chef ? Cette petite guerre a assez duré. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, quoi ? On pourrait retenter une trêve. Mais tôt ou tard, un connard finira par tout foutre en l'air. Et ça peut venir de leur côté comme du nôtre. Non. Il ne doit en rester aucun. On a déjà essayé d'attaquer leur île et... Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Il y aura une tempête dans quelques jours. On pourra les approcher discrètement. Vous deux, vous mènerez le premier assaut. Faites vos équipes. Préparez-vous. Je veux Owen. Il revient quand, avec Danny ? Qui te l'a dit, Nora ? Je vois que les gars de Salt Lake ne gardent pas de secret entre eux. Owen va bien. Autant que je sache. Alors, pourquoi personne n'est parti à sa recherche ? Il a tiré sur Danny. Apparemment pour protéger un Scar. C'est des conneries. Excuse-moi. C'est pas son genre. C'est une erreur. Tu crois que Danny aurait utilisé son dernier souffle pour me mentir ? Monsieur, si les autres l'apprennent, Owen est mort. Le premier qu'il trouvera le tuera sans hésiter. Dans ce cas, je vous conseille de pas jouer les commères. Laissez-moi y aller. Je vais le ramener et on tirera tout non. ça. On a quelques jours avant la tempête. Non. Cette chance ne se présentera qu'une fois. Et c'est plus important que tout le reste. Bien plus important qu'Owen. S'il revient, alors soit. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Et on tirera cette histoire au clair. J'ai besoin de toi, Abby. Ok ? Ouais. D'accord. Bien. Jetez un œil au plan et choisissez votre équipe. Prenez des vivres.
On se voit plus tard. Owen n'aurait jamais tué Danny pour un Scar. Hein? Quoi? Non. Abby, reste ici. Je serai revenue avant l'aube, couvre-moi jusque-là. Isaac va te botter les fesses. Pas avant l'attaque. Il a dit qu'il a besoin de moi. Si Owen est encore en vie, comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais où il ira. Arrête, merde! D'accord. Viens à côté de moi pour admirer ce beau paysage. C'est joli. Vraiment joli. Non. Allez. On est arrivé jusqu'ici. Et toi, tu veux laisser tomber si près du but. Ouais. Ouais, j'avais promis de monter. C'est fait. Bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas ramener ton cul de ce côté. T'asseoir sur le bord, ou ici, sur le siège pour les petites filles. Et on va admirer le paysage. On peut pas rater l'entraînement. T'es sûr? Même pas pour une seule nuit? Non. On peut en parler. Il est tard, Owen. Ouais. Oh, ok. Non! Non! Arrête, c'est trop! Oh putain, t'as raison! Tu sais, je vais pas pouvoir continuer comme ça, Abby. Owen, arrête ou je vais rompre avec toi. Owen! Je t'ai toujours aimé! Non! Owen! Ok, ça va être à moi de sauter. Non! Abby! Je suis là, espèce d'enfoiré. T'as sauté? Et j'ai raté ça? J'ai cru que tu t'étais noyé. Et tu es venue me sauver? Non. Je voulais voir si t'étais bien noyé. J'ai trouvé quelque chose de génial. Quoi? Si tu veux le savoir, tu vas être obligé de me suivre. Ok. Donc, Abby est sortie avec Owen. T'inquiète. Par contre, nouvelle intrigue. Et pour le coup, j'ai hâte de savoir qu'est-ce ce qui se passe. Pourquoi aurait Owen tiré sur Danny peut-être. Pour un Scar? Donc là, il y a une petite intrigue, ça m'intéresse. Ah, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui peut bien se passer? J'ai envie de connaître le background, là, pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ça renouvelle totalement le jeu. En fait, c'est un peu deux jeux en un, The Last of Us 2, hein, quand on y réfléchit. Hein. C'est un petit peu deux jeux en un, hein. C'est ça qui est ouf. Bon, on va y aller, on va le follow. Je sais pas du tout ce qu'il veut me montrer, ce con. À l'aquarium, bah oui. À la grande roue, le classico. C'est quoi cet endroit? J'en sais rien. Tu veux continuer? Putain, ouais. Bon, on va faire une prochaine sortie et puis on va déjà pouvoir se laisser ici. En tout cas, quel plaisir. Ça veut dire que là, si on est... Bon, là, on a dépassé la moitié du jeu, hein, on va pas se mentir. Il reste bien 20 épisodes.
Quel bonheur, je suis tellement content en vrai, c'est trop stylé. C'est une sorte de zoo pour poisson. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé là. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps. Avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non. Non, tu connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. En attendant, portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.